Bonsoir. Bonsoir. Déjà été présenté, je crois. Je n'aime pas incorporer votre monde. Souviens-tu? Il y a Candice, mais c'est pas Candice. Je suis Candice. Je t'avais pas reconnu, je suis désolée. Ça va bien. Merci. Et toi? C'est compliqué, là. Je peux incorporer votre matière. Mais ce n'est pas celle que je préfère. L'esprit est subtil. Moins il apprécie la densité, la lourdeur de votre monde. J'ai voulu participer au travail de développement de ton médium pour qu'il ressente une énergie plus subtile, plus forte, dans une dimension différente. La puissance de l'esprit, l'interprétation que vous en faites, l'image que vous lui donnez sur ce monde. L'esprit humain est toujours en phase de développement sur votre monde. Vous êtes toujours dans une relative infériorité. Vous nourrissez en permanence, à chaque instant, à chaque seconde. Vous véhiculez des défauts, des horreurs, des sentiments et des émotions qui restent palpables pour nous, tellement elles sont dirigées
avec envie, avec passion, vers le mal. Vous vous détruisez moralement dans un tumulte chaotique pour lequel vous êtes les acteurs et les responsables. Vous ne vous souciez pas du bien d'autrui et vous vous targuez d'être juste, d'être bon sur un monde que vous croyez tellement supérieur. Baissez les yeux, détournez le regard, regardez vos pieds et vous en conviendrez et vous découvrirez votre réelle supériorité. Vous n'êtes pas supérieur. Vous êtes sur un chemin en phase de développement, sur une évolution promise, une évolution qui est guidé, qui est protégé vers un avenir, nous l'espérons, meilleur que ce que vous connaissez déjà. Votre monde subit des tumultes de toutes parts. Vous vivez avec la peur au ventre. Vous nourrissez les doutes. Vous inspirez la violence. Vous méprisez vos voisins. Vous avez cru un jour être humanité. Vous êtes des humains en recherche d'humanité. L'humanité a un sens propre, une définition pour laquelle vous devriez ajouter des mots comme amour, comme compassion, soulagement, bénédiction, protection, sagesse, bienveillance et ordre. Vous n'êtes pas encore à la hauteur de cette humanité. Vous avez à peine effleuré le mot. La supériorité s'installe au travers des différents incarnés qui se réveillent sur ce monde et qui vont éclore. Les bons se réveillent lorsqu'ils le décideront. Tous ceux qui dominent, tous ceux qui prônent une élégante supériorité inférieure devront et se tairont devant ces bons esprits avec une réelle évolution supérieure à la Terre. Mon propos n'est pas sentencieux, il est réel. Il vous met devant le fait accompli, un miroir de votre humanité. Oserez-vous le regarder en face et accepter à quel point vous pouvez être médiocre? Je ne suis pas ici pour flatter votre ego. Je ne suis pas ici pour vous caresser dans le sens du poil. J'accepte vos faiblesses et vos défauts. Acceptez de ne pas être là où vous croyez être. Ça serait déjà un bon début pour embrasser ce chemin d'humanité. Vous devrez alors défier votre pire ennemi, votre âme terrestre. Vous êtes les bourreaux de votre monde. Libérez-vous de vos torpeurs, libérez-vous de vos chaînes. Soulagez-vous de ces boulets que vous traînez en permanence
sur un monde de matière lourde. Lorsque vous aurez fait votre chemin intérieur, que vous aurez accepté votre moi futur, que vous aurez accepté de ne pas être parfait, vous allégerez un poids énorme sur votre esprit. Lorsque la lumière se fera en vous, que la sagesse viendra effleurer votre âme, que l'amour diffusera à profusion, alors vous pourrez seulement commencer à comprendre ce qui détermine le chemin des bons et des justes sur terre. Le chemin vers votre Père s'ouvre à ceux qui ont la lumière. Ils en ont compris l'essence, même s'ils ne comprennent pas le Père dans leur intégralité. Ils admettent d'être sur le bon chemin. Ils acceptent de ne pas être là où vous croyez être. Ils se dirigent avec force et bienveillance sur votre monde en vous proposant des actes et des pensées amoureuses. À tout va. Il est temps d'agir pour votre humanité. Il est temps d'agir pour votre voisin. Il est temps d'avancer et d'évoluer. Apprenez l'humilité. Faites disparaître l'ego. Pensez en conscience. Soyez positif et vous vous construirez un avenir meilleur que ce que vous connaissez déjà. Votre monde, la Terre, ne connaît rien d'autre que la Terre. Admettez enfin votre incapacité à percevoir et à comprendre plus que votre monde. Dans votre univers, dans les univers et les galaxies lointaines, il y a des mondes incarnés de toute évolution relative. Mais elles ont accepté que d'autres mondes puissent se véhiculer autour d'eux. Ils correspondent avec ces autres planètes. Ils ont également accepté qu'il puisse y avoir des mondes incarnés supérieurs aux leurs. Ils n'ont pas forcément cherché la violence et le conflit à la première approche de frères vivant sur des mondes extérieurs aux vôtres. La relation, la bienveillance, la sagesse, l'amour et l'ordre définissent les liens entre les êtres humains. Elle définit également les liens entre les mondes incarnés. Elle définit également le rapport entre les esprits et de surcroît. Elle participe à la relation entre les esprits et les incarnés. Devenez amour sur terre. Devenez amour dans votre foi intérieure. Devenez amour et lumière en vous. Apprenez de vous
et vous vous rapprocherez du Père. Qu'il soit entendu. J'entends beaucoup de choses sur votre monde lorsque je surveille vos déplacements. Je suis à des endroits improbables où les gens se croient seuls. J'entends des pensées ignobles et avilissantes. Mais il arrive que sur ce monde, je puisse embrasser, je puisse caresser les pensées plus nobles, plus grandes, tout en amour. Alors je me réjouis d'un espoir futur pour vous. Je me réjouis d'un avenir meilleur. Je vous souhaite l'espoir. Je vous souhaite la certitude. Je vous souhaite la conscience de votre âme. Je vous souhaite avec force votre amour. Vous êtes les responsables et les bourreaux de vos actions et pensées sur ce monde. Vous êtes également les détenteurs de votre devenir, d'un monde futur que nous espérons supérieur. Vous êtes les acteurs principaux du bien et du mal que vous occasionnez par votre libre arbitre. Alors assumez ce que vous êtes. Assumez vos responsabilités lorsque les choses sont mal faites. Assumez également vos responsabilités lorsque les choses sont bien faites. Il y a toujours une cause à effet. Il y a toujours des guides près de vous. Il y aura toujours des êtres de lumière qui vous surveillent et qui vous voient penser et agir. Vous ne pouvez vous défausser. Vous ne pouvez nous éviter. Tout ce que vous faites est retenu. Tout ce que vous faites, nous le voyons. Nous le connaissons. Nous ne sommes pourtant pas dans le jugement, mais dans un principe de réalité, de vérité. Nous avons la légitimité de notre évolution et nous pouvons vous voir vivre et nous pouvons venir nous manifester à des séances pour vous expliquer les choses. Acceptez nos venues, acceptez nos présences, acceptez que l'on soit en vous. Quoi que vous pensiez, vous ne pouvez y échapper. Vous retardez l'échéance. Vous retardez votre supériorité. Vous retardez votre amour. Et vous retardez votre approche vers le Père. Je suis venu. J'ai parlé. Dans un monde qu'il m'est difficile d'incorporer pour une matière, comme je le dis, lourde et dense et très peu agréable pour des esprits subtils avec de la lumière telle que moi. Je reviendrai dans d'autres conditions en l'heure. Je vous exhorte à vous responsabiliser. Je vous exhorte à l'amour et à la compassion. Je vous oblige à un futur meilleur. Je vous responsabilise. Je vous offre la parole. De la sagesse, la vue et la perception de celui qui aime et qui veut votre bien. Je vous encourage à devenir bon, à devenir amour et à rejoindre notre Père dans sa pureté. Évoluer, changer, avancer. Nous vous demandons juste cela pour vous rapprocher de nous.
Valérie? Avant que je ne parte, tu as des questions à poser? Déjà, je suis contente que tu sois venue. Je sais que c'est compliqué pour toi en plus, donc je suis vraiment contente. Je t'en prie. J'en ai une, mais ça concerne Stéphane en fait. Fais. On nous avait, enfin, je crois que c'est Rose qui nous avait dit qu'il y aurait une soirée exprès pour lui, une soirée spéciale avec un esprit, avec une grande évolution. Vous savez déjà à peu près qui ce sera? Moi, oui. Toi, oui. Parce qu'il voulait que ce soit toi en fait, mais je lui ai expliqué que tu ne pouvais pas rester aussi longtemps. Donc, mais ce sera quelqu'un de ton évolution? Ça sera quelqu'un qui peut répondre à ces questions. Ah, et il aura ses réponses. S'il est prêt à les entendre. D'accord. D'accord. Et. Nous lui offrirons des réponses à la hauteur de notre vue. D'accord. Dans la matière, il est légitime d'avoir ce genre de questions. Et nous saluons son évolution. Mais notre vue, notre perception, notre amour nous confère une approche bien différente. Alors nous allons lui apporter la sagesse de nos pensées, la sagesse de notre vue, la sagesse de notre conscience, en espérant qu'il accepte avec cœur et avec bonne grâce la venue de cet esprit qui lui offrira avec amour les réponses à toutes les questions qu'il se pose. Tu sais à peu près le déroulement de la soirée du coup? Je laisse ça au guide. D'accord. Tu restes un peu quand même? Un petit peu. D'accord. C'est gentil. Et après, je partis. D'accord. Merci les deux. Ce n'est pas fini. D'accord. Pour vous. Oui, je me doute. À tout de suite. Je prends tes esprits, j'éteins pour l'instant.